pourquoi Fortnite? Yo les gens, c'est Nexta, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis dégoûté, Fortnite hier a enlevé le pont de guerre et tout ça sans mise à jour, sans nous avoir rien dit. Ils ont fait un petit kiff, les gens rentraient du travail, rentraient de l'école et ils l'ont enlevé. C'était un fusil à pompe incroyable, il a changé toute la méta. On est passé du moins 200 à du contrôle. Grâce à ça on pouvait maîtriser notre adversaire de A à Z. Pour moi ça départageait les bons joueurs avec du skill, de l'intelligence de jeu, à des joueurs qui mettent juste des moins 200. Donc Fortnite, sérieusement, je vais faire des coups de gueule toutes les semaines ou quoi? Juste avant de commencer le sujet, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, n'oubliez pas d'exploser la barre des pouces bleus, il me faut votre soutien, j'ai mal au cœur. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour savoir toutes les prochaines vidéos, on en fait une par jour, je tiens le cap. Et ça, ça fait plaisir, enfin quand on fait pas de coups de gueule. Bien évidemment, n'oubliez pas le code NEXTAS dans la boutique, pour cela c'est très très simple, boutique d'objets. En bas à droite, soutien créateur, vous appuyez dessus et vous mettez NEXTAS, majuscule ou minuscule, on s'en fout, acceptez. Et en haut à droite, ça mettra créateur soutenu NEXTAS. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que des personnes sont contentes que le pont de guerre soit enlevé. C'est votre avis et je le respecte. Mais restez jusqu'à la fin. Et après avoir m'écouté, mettez un commentaire par rapport à ça. Constructif. On est parti pour Pandore, j'avais envie de profiter de ce spawn avant qu'il soit enlevé le 10 septembre. Il y a un petit peu de monde, on profite du shield. Il y a des mini popos là, on en a pas besoin. On a un sniper, il me faudrait une arme s'il vous plaît. Oh là là, j'ai eu Oscar. Cette zone est vraiment bien en vrai de vrai. Bon, même si là on a qu'une arme. On a même, oh là là, mais c'est bon, on est full stuff en fait. De quoi je me plains, j'ai limite le meilleur stuff possible maintenant. Par contre le gars il a touché une fois. Qu'est-ce qu'il fait? Frérot, tu retournes au lobby. Merci beaucoup pour la pote 50. On a une autre personne en face. On va essayer de lui mettre une balle de sniper. Il est en bas, il y a moyen qu'on... Non mais attends, mais il team up. Mais c'est une... Mais Attends, il y a encore du team up en solo. Mais pardon. Oh, en plus il m'a fait boogie, c'est un peu relou. Allez, il est juste en bas. Touché une fois, deux fois, laser et le kill, retourne au lobby. Par contre on est d'accord, c'était du team up, je suis pas fou. Quoi qu'il en soit, on est top 58 avec 3 kills, on va parler du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc on va parler du sujet maintenant, sinon on n'y arrivera pas, le pont de guerre a été enlevé. Et non, ce n'est pas une blague, Fortnite hier ont totalement pété un câble. Juste après avoir sorti ma vidéo sur Greasy Groove, je vais sur Twitter et je vois quoi? Qu'ils ont enlevé le pont de guerre. Et des personnes étaient contentes par rapport à ça. J'étais choqué. Mais je peux comprendre parce que dans cette mise à jour, on va appeler ça comme ça, ils ont rajouté la Scar silencieuse. Elle nous avait manqué, ça faisait un petit peu longtemps. Mais au final on a perdu quand même beaucoup de choses. Et le mec en face là en plus, on va essayer de le tuer rapidement. Allez frérot, touché. Touché. Et le kilo, ok, c'est parfait. On va attendre, ben voilà, que le shield remonte. Prendre la Scar silencieuse gold. Et prendre maintenant la PM silencieuse bleue. Parce qu'on va être obligé de rejouer avec. Enfin, ça va. Dans ce cas-là, j'ai quand même un pompe chasseur bleu. Il one shot, il met des moins 200. Mais le pompe chasseur vert, ce n'est pas le cas. 95 dans le corps et dans la tête, si je dis pas de bêtises, c'est un peu plus que 180. Et vous allez me dire directement, Nextas, pourquoi t'es pas content? Alors que tu n'aimais pas le pompe de guerre au début. Non, je ne l'aimais pas. Mais ça, c'était avant. C'est vrai que ça a été un réel choc quand Fortnite on essayait d'enlever le pompe chasseur. C'était début saison 9. On a dû être obligé de jouer avec le pompe de guerre. Par contre, ok, tu une fois, deux fois. Au début, il était pas bien du tout. Les dégâts étaient merdiques. On était limite obligé de jouer avec le pompe tactique. Ils l'ont up, il était trop fort. Ils l'ont dé-up et ils l'ont laissé comme ça jusqu'à maintenant. Et dans ce processus, ils avaient réintégré le pompe chasseur. Mais au final, ça servait un petit peu à rien. Tout le monde était amoureux du pompe de guerre. Je pense que Epic Games, le meilleur truc qu'ils auraient pu faire, c'est quand ils ont rajouté le pompe chasseur, ils auraient dû carrément virer le pompe de combat. Là c'est trop hardcore. Même pas de mise à jour, on est en milieu de semaine et comme ça il enlève. C'est incompréhensible. Après vous allez me dire on s'adapte. Oui on s'adapte, mais enfin on n'était pas prêt. On était habitué avant à une méta one shot grâce au pompe chasseur et au space 12. On va pas se mentir que ça faisait énormément mal. Quand t'avais un barret, tu rentrais dans la box des gens, bim, tu mettais une tête de sang et c'était fini. Cette méta a été remplacée par une méta totalement contrôle du pompe de guerre. Et pour moi c'était clairement plus qu'il est. Beaucoup de personnes ne seront pas de mon avis, mais je vais vous expliquer un truc. Est-ce que vous pensez qu'une balle tête moins 200 c'est ce qu'il est? Non, on est d'accord, donc pourquoi vous parlez en fait? Soyez un minimum intelligent, ne faites pas les moutons, réfléchissez avec votre tête. En vrai de vrai, je vous dis la vérité, la méta one shot ne me déplaisait pas du tout. Voilà, j'appréciais jouer au space 12, j'appréciais jouer au chasseur bleu, mais c'est pas nous qui avait décidé de changer cela, c'est Fortnite. Et revenir en arrière comme ça, enfin, what the fuck. Je ne sais pas ce qu'il nous prépare, mais à mon avis dans la match de mardi, mercredi,
jeudi, on aura bah, simplement des informations, peut-être le Space 12 qui va revenir. Maintenant, parlons des choses positives. Hein, bah, dans mon stuff, la Scar silencieuse. Elle nous avait manqué, c'est un plaisir de la revoir. La question que je me pose maintenant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de fusils d'assaut. Donc pour moi, dans la prochaine mise à jour, certains d'entre eux vont être remisés, enlevés. J'espère que le fusil d'infanterie restera sur le jeu parce que c'est clairement, à l'heure actuelle, mon arme coup de cœur. Et non, ce n'est pas une blague, comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, je mets que des dingueries avec et je veux qu'elle reste. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait du changement. Donc ouais, j'avoue, j'assume, je suis énervé contre Epic Games. Enlever le pompe de combat comme ça dans la semaine, c'est pas normal. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas le pourquoi il a été enlevé. Le peuple demande une explication. Mais heureusement qu'ils ont remis la Scar Gold, hein. Sans ça, les gars, oula, mais quoi? Oh, mais encore touché? Sans ça, je pense que beaucoup de personnes seraient dégoûtées. Le mec est où? Ok, il y a un gars là. Touché, headshot. Touché. Laser, le kill. On va prendre ses matériaux. Il m'en faut, j'en ai plus. Prendre ça. Voilà. On est dans notre petite box. Il nous a mis tellement bien. On a récupéré un barrette, beaucoup de construits. Un pad, c'est magnifique. Par contre, il y a un gars qui tire. On va recharger vite fait. On a pété le ciné, le kill. Oh là 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 là. Je suis tellement on fire avec le retour de la Star silencieuse. Non mais en vrai, faut que j'arrête d'être content. Ils ont enlevé le pompe de combat. Il est fou, lui, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a moyen de choper le kill sur le mec là-bas? À mon avis, non. Par contre, la zone est dans l'eau. What the fuck? Il faut absolument que j'arrive à gérer le top 1 dans cette game. Pour le moment, j'ai aucun visu. Je vois personne. On est toujours dans la zone. On va attendre qu'elle se referme le top 5. Donc mettez-moi votre avis en commentaire par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retrait du pompe de combat? Par contre, c'est en train de se battre. Est-ce que... Il y a un gars là, j'arrive pas à le toucher. Le gars remonte, il est tombé, il galère un petit peu. Touché une fois. Par contre, si vous participez à ce débat, je compte sur vous, mes Saiyans, pour faire un gros commentaire. Et faites-le avec votre tête. La zone est devant. On va devoir avancer petit à petit, c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup de construction. On peut même y aller, hop, en tunnel. On va relier tout ça, bien évidemment, en bas, remonter. Prendre même un étage, pourquoi pas. On en a quand même beaucoup. C'est le top 3, si je dis pas de bêtises. On a un gars NO et un gars SE, ça c'est sûr et certain. Ouais, le gars est juste devant, Est-ce que vous le voyez? Le problème, c'est que je crois qu'il a un sniper, quoi, même pas ce qu'on peut potentiellement... Non, il a un sniper, non. Oh là 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 là, j'ai totalement stressé, je vais me faire focus par l'autre en haut. On va descendre d'un étage, réédite tout ça. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas pu tirer quand j'ai édité le code, c'est vraiment bizarre. Le gars est en bas de moi, Touché. On va essayer de spammer un peu, là, à la R. Le gars est en haut. J'ai touché une fois, 32, c'est parfait. Le frérot, je crois qu'il veut clairement se battre, hein. Ah, j'ai loupé ma balle. Il avance. Est-ce qu'il y a moyen de lui mettre une balle de sniper? C'est dommage. Je ne sais pas si les zones, nous on ne l'est pas en tout cas pour le moment. On va carrément pas sur lui. Allez vite. C'est bon, ouais, il est zone, hein. On va prendre un étage. Parfait. Le petit edit. Le gars est en bas. Touché une fois, moins 33, les frérots, s'il te plaît. Touché le laser, oh là 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 là, mais cette arme, c'est nimpe. Nous sommes en 1v1 pour le top 1, j'ai peur du gars en bas qui l'édite. S'il l'édite, on va être totalement dans le caca. On essaie de faire des petits moves par-ci, par-là. Pourquoi pas reprendre l'édite. Le gars est tout en bas. Il est là, touché une fois. On va reprendre off le height, reprendre tous les édits. C'est repris, touché. Allez, Edith frérot, Edith, t'es pas l'enfant, il veut pas. On l'a toujours et le top 1. Oh là 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 là, avec la maîtrise du pompe chasseur. Même si c'est pas du combat. En fait, le problème majeur du retrait du pompe de combat, c'est qu'on revient à l'époque de la saison 6, saison 7. Mais bon, c'est pas grave, on a géré le temps au quotidien, je suis content. Donc, qu'est-ce qu'Epic Games aurait pu faire? Je pense que j'ai donné la réponse. Quand ils avaient remis le pompe chasseur, il fallait enlever le combat. Et même, ça aurait fait mal. Mais c'est comme le mode sensu, on prenait énormément de plaisir dessus. Et plus le temps avançait, plus ça devenait une normalité de l'avoir. Donc ouais, c'est dommage, il y a quand même des points positifs. J'ai hâte de voir la prochaine mise à jour.
jours. Parce qu'on aura sûrement en même temps moi, Steve Palms et Grizzly Groove. Et s'il y a moyen d'avoir un petit space 12, moi j'achète. Bref, en tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la notification. Mettez-moi votre avis en commentaire. Moi, je suis dégoûté. Et vous l'avez vu dans ce gameplay, le jeu change totalement. Ça sera qu'une question d'habitude, mais c'est dommage. Epic Games aurait pu mieux faire. Bref, moi je vous laisse sur ça. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Profitez bien de votre week-end. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Nexta, je vous aime. Peace. I'm gonna follow you.